Mélissa a 10 ans. Elle évolue dans un milieu de vie difficile. Elle partage avec sa mère et son petit frère un logement froid et insalubre. Elle a le rhume continuellement. Sa mère travaille de nuit et n'est pas très présente pour s'occuper d'elle. Son père, lui, un homme violent, est tenu à distance par les autorités. Les ressources manquent. Un intervenant de la protection de la jeunesse est déjà sur le dossier. La petite Mélissa dort mal et tient des propos sombres et suicidaires qui inquiètent ses proches. À l'école, elle pleure souvent et manque d'attention en classe. Ses résultats scolaires sont catastrophiques. Elle a récemment développé des problèmes de comportement et elle accumule les absences. Son enseignante propose une rencontre au centre de pédiatrie sociale pour mieux identifier ses besoins et lui offrir des services cohérents. Pour dessiner un portrait global de la santé de Mélissa, l'équipe de pédiatrie sociale réunit autour d'elle les adultes significatifs et les intervenants qui la côtoient déjà. Dans un climat informel, Mélissa se fait enfin entendre de tous et chacun peut raconter l'histoire qu'il partage avec elle. Chacun prend connaissance des difficultés qui se dressent sur la route de Mélissa. Plusieurs de ces difficultés nuisent à la satisfaction de ses besoins essentiels et bafouent ses droits fondamentaux. La rencontre met également en évidence les nombreuses forces de Mélissa. Elle est sociable et affirmée, c'est une enfant très responsable, elle exprime très clairement son désir de réussir malgré les obstacles et elle démontre beaucoup d'intérêt pour le dessin et la musique. Afin d'agir à la racine des maux qui affectent Mélissa et éliminer les obstacles qu'elle rencontre, on mobilise plusieurs ressources. Le médecin précisera le diagnostic des différents troubles. La travailleuse sociale trouvera avec la mère de Mélissa des façons de mieux soutenir sa fille. L'avocat apportera son soutien pour résoudre le problème d'insalubrité du logement. L'art-thérapeute aidera Mélissa à mieux comprendre le sens de ses émotions. Des bénévoles soutiendront ses nombreux potentiels en lui proposant des ateliers de dessin, de musique et de l'aide aux devoirs. Et on collaborera également avec des partenaires externes afin de lui offrir les ressources essentielles. Comme Mélissa, des milliers d'enfants vivent en situation de vulnérabilité et rencontrent de nombreux obstacles qui nuisent à leur santé et à leur développement. Tous ces enfants seront un jour des adultes appelés à contribuer à la société. La pédiatrie sociale en communauté vise à donner la même chance à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Ils pourront ainsi prendre leur place dans la société de façon équitable.